premier petit morceau que j'ai pu jouer assez vite de Élie, le psaume 100. Ça date du XVIIe siècle. Quelques petits ajustements depuis l'autre fois. La viole, je n'arrivais pas à la tenir assez haut. Le professeur m'a conseillé d'utiliser des peaux de chamois. Parce qu'avec mes grandes jupes à volant, c'est pas forcément la matière la plus facile pour que l'instrument tienne en place. Donc, en mettant bien les peaux de chamois de chaque côté, on obtient un instrument plus stable. Également, essayez de faire bien dépasser cette partie-là de l'instrument pour pouvoir bien atteindre les cordes, mais ça, je crois que je l'avais déjà dit. Je voudrais parler aujourd'hui des premières choses que je ressens en passant d'un instrument à l'autre, donc du violoncelle à la viole de gamme. J'ai l'impression que l'instrument, j'arrive beaucoup mieux à faire corps avec lui et que j'ai beaucoup moins de tension. Avec le violoncelle, j'ai souvent eu des problèmes de tendinite, qui venaient aussi du fait que je passais de l'harpe au violoncelle sans arrêt. Et pendant plusieurs années, j'ai fait des tendinites à répétition, ce qui a beaucoup freiné mon apprentissage. Ici, je constate que je suis beaucoup plus détendue. D'abord du fait que le manche de la viole est beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin que celui du violoncelle, ici. Donc la main est beaucoup moins en tension. La position des bras est beaucoup plus naturelle. Le bras qui tient l'archet est un peu devant le corps et assez détendu. Quant à la main gauche, plus pendante, elle est beaucoup moins en tension, avec une espèce de lourdeur dans le bras. Moi, je pense toujours aux habits qu'on portait à l'époque baroque, des grandes manches. J'essaye d'imaginer la grande manche qui me porte vers le bas. Donc une main qui va se trouver comme ça. Tous ces éléments combinés me semblent vraiment aller dans le sens d'une moindre tension. Le fait que le manche soit plus fin me permet, à moi qui ai des problèmes d'articulation, de bien arrondir mes doigts. Chose que, avec le violoncelle, j'avais tendance à mettre mes articulations dans l'autre sens. Ici, mes doigts peuvent rester vraiment bien arrondis. Et ça, c'est vraiment un avantage certain pour notamment le pouce, qui, s'il est tendu, peut faire des douleurs ici. Je vais vous montrer les deux positions. Position du violoncelle, l'instrument beaucoup moins devant. Poids sur l'archet. L'archet est plus tenu que soutenu. On doit mettre un poids sur l'archet, comme ça. Ce qui fait que la tension peut être importante dans les doigts, quand même. Notamment dans le pouce. L'arrondi du bras ici est important. Donc on a quand même toujours une épaule un peu en avant, comme ça. Quant à la main gauche, elle est beaucoup plus dans le poids également. Revenir à cette idée qui me tient à cœur, comme quoi la musique est plus accessible qu'on le croit généralement, c'est que cet instrument-là, je l'ai acheté 200 euros avec Saou, c'est un violoncelle très bas de gamme, un violoncelle chinois, que j'ai bricolé au fil des années, acheté quelques pièces régulièrement, un nouveau chevalet, changer les cordes, bon là je les ai mis en boyau. Parfois il faut changer les chevilles parce que les chevilles ne sont pas très bonnes. Mais finalement, ça fait quelques années qu'il m'accompagne et j'en suis plutôt satisfaite. J'ai acheté un très bon archet à côté de ça, enfin très bon pour moi, mais qui reste dans une gamme de prix tout à fait correcte. Donc c'est un instrument qui finalement m'a coûté très peu cher et avec lequel je joue en ensemble. Pour revenir à mes nouveaux apprentissages, la clarté de la note est vraiment dépendante de l'endroit où sont placés les doigts, avec très grande précision. Je me demandais pourquoi mes cordes grinçaient, grinçaient, grinçaient. Et finalement, il suffit que le doigt soit un petit peu sur la frette. Il faut vraiment qu'il soit juste au-dessus de la frette, afin que la corde appuie sur la frette et donne une impression de corde à vide. C'est ce qui fait les sons si clairs et si jolis de la viole. Contrairement au violoncelle où les sons peuvent étouffer et quand on fait une corde à vide de temps en temps, on l'entend vraiment de façon très claire et elle peut choquer justement. Ici, normalement, toutes les notes ont cette égalité de timbre. Bien faire attention à ça car j'ai pensé pendant des jours et des jours que je devais changer une corde parce qu'elle grinçait terriblement. C'était juste que je plaçais mes doigts même pas à 1 mm
de différence. Donc pour les premiers exercices, nous sommes ici dans la méthode complète et progressive pour la viole de gang que je vous avais déjà montré. Mais pour compléter, mon professeur m'a conseillé Découverte de la viole de gang de Jean-Louis Charbonnier. Donc c'est pas le manuel pour débutants. Donc celui-ci est plutôt pour les gens qui ont déjà fait de la musique et qui peuvent lire les notes. Et il y a des petits morceaux très simples. Nous avons donc des conseils de monsieur Jean-Louis Charbonnier, qui est vraiment une pointure. Et d'ailleurs, je vous mettrai en lien ce qu'il dit de l'apprentissage de la viole. Il pense que c'est un instrument parfait pour débuter la musique. Quand on est enfant, il y a toutes les tailles, les notes sont accessibles. Pour lui, c'est vraiment, on devrait beaucoup plus généraliser l'apprentissage de la viole à un âge précoce. N'oubliez jamais que la viole est une variante de la viola, instrument à cordes pincées. Jusqu'au XVIIe siècle, ce nouvel instrument était joué par les luthistes. Travaillez chaque pièce en pinçant les cordes avec l'index et le majeur de la main droite, le pouce pour les notes graves ou les accords. Tenez votre instrument toujours à la verticale, en le tournant légèrement vers vous et l'éloignant de votre tête. Penchez légèrement l'instrument sur votre gauche afin de garder toujours le torse bien droit. Jouez toujours à la pointe de l'archet, une bonne moitié d'écrin n'étant qu'une réserve, comme l'air du flûtiste économisé. Alors voilà une des erreurs que je fais, par exemple, c'est que j'utilise beaucoup trop d'archets. J'ai tendance à faire comme au violoncelle des grands gestes, alors qu'il faut, oui, il faut avoir une réserve, en fait, ce qui permet d'être beaucoup plus précis. Le pouce de la main gauche a une grande importance. Il doit toujours être placé sous le deuxième doigt, le majeur. Ne le contractez pas. Son rôle est de déplacer la main dans les changements de position et permet l'extension requise à la seule condition de rester bien placé sous le deuxième doigt. Ça, c'est la même chose que pour le violoncelle. On déplace la main en empreinte. C'est la même chose aussi à la harpe. On a une empreinte dans la main et on ne déplace pas les doigts. Hein, on ne pianote pas réellement. Même si, avec la viole de gambe, on est beaucoup plus dans des histoires pour les accords de déplacement de doigts. Alors, le violoncelle, on est vraiment... on déplace notre main, en fait. Conseil, là, qui me touche le plus, là où j'en suis, ce serait cette histoire de, justement, d'économiser l'archet. Pour le déplacement du pouce, quand on est sur les cordes les plus graves, le pouce va quand même revenir vers l'extérieur du manche, hein, très légèrement. Il va y avoir un accompagnement de la main. Pas de contraction, je crois qu'il faut éviter vraiment les contractions et je crois que l'instrument est vraiment adapté. J'ai plus cette sensation d'une liberté de mouvement et d'une détente. Dans les premiers chapitres, on a quelques gammes, des petites notes. On peut avancer assez vite. Je crois que j'ai fait les 5 premiers chapitres assez rapidement. J'ai commencé à être dépaysée vers le chapitre 5 ou même 4, dans les liaisons, les liaisons de coups d'archet, qui sont pas si simples, et surtout quand on doit passer d'une corde à l'autre et qu'on doit passer d'une corde qui n'est pas conjointe à la corde d'à côté. Là, on commence à avoir des difficultés. Et puis des signes avec lesquels je n'étais pas familiarisée, les crochets, en fait, les crochets au-dessus d'une partition indiquent qu'il ne faut pas bouger le doigt. Chapitre 5, justement, où j'ai marqué « ouille ». Nous avons des difficultés qui apparaissent. Nous partons donc d'un sol. Il ne faut plus bouger le doigt du sol. On est parti en gardant notre sol sur le doigt 2. On va faire ensuite un ré, puis un si avec le doigt 3. Donc là, on a vraiment une indépendance des doigts et un modèle d'accord, chose qu'on ne trouve jamais au violoncelle. Et donc, on doit jouer donc le sol, le ré, le sol, le si, le sol et le la. Donc, on va déplacer après le 1. Donc on se retrouve avec une position de doigt pas très confortable, je dois dire, et avec un travail sur des croches, et donc une précision d'archet assez importante. Je pense que cet exercice-là, le 5, page 20, je l'ai fait, d'ailleurs je vois que j'ai marqué les dates, et je crois que je l'ai fait pendant un bon mois. Et je l'ai vraiment répété beaucoup, beaucoup, et il n'est pas du tout parfait. Loin s'en faut. Après, il y a des petits exercices très jolis et très sympathiques qui peuvent être joués assez vite. Un petit exercice qui peut être joué assez vite et qui visiblement plaît beaucoup aux élèves. Je l'ai trouvé assez accessible. Alors, pour avoir l'archet bien
bien horizontal par rapport au jeu, je conseille de prendre un miroir. Hein, parce que régulièrement, on se retrouve comme ça ou comme ça parce qu'on veut trop corriger. J'avais aussi le défaut de trop coller mon bras ici. Là, le bras s'avance bien devant.